Bonjour à tous. Toutes les stations de ski se ressemblent-elles? On aurait en effet tendance à le penser quand on voit l'uniformisation des domaines skiables. Mais dans certaines régions montagneuses de France, comme par exemple dans le Massif central, en Aubrac, certaines petites entités économiques résistent à cette théorie du toujours plus. Sauront-elles pour autant s'adapter aux changements climatiques et aux nouvelles données économiques? Aubrac, la station modeste, un film de Gilles Perret pour Chronique d'en haut. Le décrocher. Alors vous êtes monsieur le directeur, c'est ça? C'est ça, monsieur le directeur, l'homme à tout faire, la boniche de service, non pas la boniche, mais l'homme à tout faire. Relâche un peu encore. Le but c'est de se débrouiller avec un minimum, d'être le plus polyvalent possible. Donc nous on a fait le terrassement par nous-mêmes. Il a fallu enlever l'ancienne gare, on a terrassé, donc je me suis débrouillé pour récupérer un tractopelle auprès de la communauté des communes. Comme ça, ça m'a pas coûté un sou. Vas-y, passe dans la poulie en haut. Non, au-dessus, dans la chèvre, au-dessus de ta tête, à l'intérieur. Le maître mot ici, c'est polyvalence à fond, sinon t'y arrives pas quoi. Voilà, il faut faire la secrétaire en même temps. Ah bah tiens, c'est le patron, l'ancien patron. Oui? Ça va? Ouais. L'Aubrac, des milliers d'hectares de hauts plateaux volcaniques, quasiment vierges, culminant à 1400 mètres d'altitude. Une région du sud du Massif central, à cheval sur les trois départements de la Lozère, du Cantal et de l'Aveyron. Au milieu de ces étendues se trouvent trois petites stations de ski, des stations modestes auxquelles s'accrochent quelques passionnés pour les faire vivre dans un esprit de modération plutôt que d'expansion. Éric et Gonzalo sont accompagnateurs de moyenne montagne et pisteurs. Ils se sont installés sur ce territoire il y a une trentaine d'années et se sont donné beaucoup pour pouvoir y vivre contre vents et marées. Ouais. Ça glisse. Oh putain. L'Aubrac, c'est un pays d'espace, c'est aussi le pays du vent. Où la pluie n'est jamais verticale, la neige non plus, c'est toujours horizontale. Alors forcément, d'un côté où on saute, on l'a toujours dans la figure. Ce qui fait qu'il le rend âpre et qui fait que, c'est un terme, péchu, quoi, on rentre dedans. Et là, de partir tout droit, ça c'est, ouais, ça c'est jouissif. J'aime bien marcher droit là-bas, tiens, je vois la petite colline, j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière. Et derrière, il y aura une autre. Et bien, j'irai encore. Voilà. C'est un pied qui donne envie de marcher. C'est le vent, putain, hein. Ouais. Ah, t'as là, il y avait des traces de loutre, ouais. Ouais, et hop, t'as des éprintes là. Voilà, ouais. Et là sur le caillou, sa caractéristique. Ouais. Alors, t'as des coquilles, hein. T'as des carapaces d'écrevisses. D'écrevisses. Ouais, là. Et alors, ça a une odeur de poisson légèrement fermenté, parfumé au miel. Ça sent le poisson. Non, non, bah, mais ça sent le poisson. Ça sent le poisson, ouais. On est arrivé ensemble au début des années 80, qui ont été quand même, en termes d'enneigement, des années un petit peu difficiles. Et donc d'entrée, on a été mis dans le bain. Lui, il croyait venir. Il est tombé, il n'a pas eu de vol. Il est tombé une année où il y avait eu de la neige à la toque. Ouais. Donc il était persuadé qu'il était arrivé en haute montagne. Ouais. Et en fait, il s'est fait avoir. Mais non, pas du tout. Non, les péripéties climatiques, ça nous a forgé aussi dans l'idée qu'il fallait avoir peut-être plusieurs spécialisations. On ne peut pas simplement dire, ouais, il n'y a pas de neige, ben, écoutez, on ne sait pas quoi faire. Bon, je pense qu'à la durée, nous, on a pu rester. Ça fait 30 ans, justement. Ouais, très bien.
où on n'a pas lâché, quoi, véritablement. Ça a permis d'asseoir notre activité, d'être reconnu, la durée, le temps, la notion de temps, la notion de durée sur un site, sur une région, c'est vachement important, quoi. Il ne faut pas papillonner, quoi. Et le fait d'être à la fois pisteur secouriste nordique, accompagnateur en montagne, on a un volume qui nous permet de passer, on va dire, correctement les mois d'hiver. En ce mois de janvier, la neige tarde à tomber. Peu importe, les classes de neige sont là, on s'adapte, la montagne se vit par tous les temps. Attendez, derrière moi, là. Derrière les enfants. Allez. Ça peut être dangereux, on fait attention. Allez. Attention à la tête. Hop. Nous sommes passés sur l'eau, la petite passerelle tout à l'heure. Ben, l'eau elle passe sur votre tête là. Et ouais. Alors, on ne voit pas que ça s'écroule tout de suite, mais ça ne le fera pas. Et la glace s'est formée petit à petit avec le gel. Là, il a même neigé par-dessus. Et ça va faire un gros tuyau. Alors s'il fait encore froid pendant longtemps, on ne verra même plus l'eau. Ça sera gelé du haut en bas. On accueille en gros 1500 élèves par an. Et à ces gamins-là, on leur montre la montagne, on leur montre ce que c'est la montagne. C'est pas juste une piste de ski avec un téléski à côté, c'est tout un ensemble qui la compose. Alors, c'est la montagne d'hiver, neige ou moins neige, ça dépend des fois, mais c'est toujours la montagne d'hiver quand même, avec toute sa globalité, tout son ensemble. Sa géologie, les gens qui y vivent, plein de choses comme ça, quoi. À quelques kilomètres de l'Aïeul se trouve le village de Saint-Ursise. Lui aussi a sa station, avec pas mal de skis de fond et quelques remontées mécaniques. Une station sans salariés fixes qui fonctionne grâce au bénévolat et à l'associatif. Seuls deux employés communaux sont détachés à la station lorsque l'enneigement est suffisant. Des employés qui, par passion, en font beaucoup plus que ce pour quoi ils sont payés. Alors Philippe, c'est ça la grande station de Saint-Ursise? Et oui Gilles, tu as en face de toi la station de Saint-Ursise. La station de Saint-Ursise qui a déjà 40 ans d'existence. La station de Saint-Ursise, ben, je vais te la présenter un petit peu. C'est 6 pistes de descente, c'est 3 téléskis, c'est un dénivelé pas exceptionnel, ça fait à peu près 130 mètres de dénivelé. Le téléski principal des Goutals, qui monte très très haut, 1360 mètres d'altitude, c'est très haut. Pour chez nous c'est bien. Une piste rouge et 2 pistes vertes, et une piste réservée aux débutants. C'est-à-dire une piste où vraiment les gens qui ne savent pas ce qu'il y a, que ce soit des adultes ou des enfants, ont leur piste à eux, ils ne se dérangent par personne d'autre, c'est la leur, ils ont leur téléski, et voilà. Ils peuvent prendre un forfait Ils ont un forfait, je crois, je ne veux pas m'avancer, on doit être les moins chers du monde. C'est-à-dire ? Un tarif, 3 euros pour un enfant une journée entière. C'est pas la même mentalité. Moi j'ai des gens qui arrivent ici, ils ont oublié les gars à la maison. Hop, on va dans le local derrière, on trouve une paire de gants, on y prête les gants. Le gars a passé ses bâtons, on y prête une paire de bâtons. Le soir, il partira pas sans te les ramener. Il fait ça dans les Alpes, juste pour voir. Je crois pas, tu crois que ça marche? Tu es monsieur le directeur? Non, je suis pas monsieur le directeur. Non, je suis Philippe, tout le monde. C'est comme ça, il n'y a pas de directeur chez nous. On est chef à tour de rôle, on va dire. Chacun sait ce qu'il doit faire, le fait, et puis voilà, je coordonne un peu tout ça, si tu veux, mais il n'y a pas de directeur. Ah où? Ah ouais. J'ai été à la chasse à l'ours. J'ai été à la chasse à l'ours. La station comme ça, c'est quand même le maintien du service public. Ici, sur Saint-Ursise, on a une gendarmerie. C'est une brigade de montagne. Cette gendarmerie n'aurait pas lieu d'être si on n'avait pas une station ici. On a donc un centre de classe de neige. On a des gamins en permanence ici, c'est plus de 50 gamins pendant 2 mois et demi d'affilée. Ces 50 gamins, ils mangent tous les jours. Tout ça, c'est pris dans les commerces au village.
Bien sûr, nous on aime notre coin, on ne veut pas en partir et on ne partira pas. On veut que ça vive, on veut que ça dure. Si jamais on a des gens qui viennent d'ailleurs, on les accepte. Si des gens ne savent pas où aller, ils veulent construire, ils veulent... Eh bien, venez chez nous. Hein. Vous allez voir, vous serez accueillis en plus. Non, non, mais nous, maintenir la station, c'est sûr, c'est, ben, on va dire que c'est un acte de résistance. Hein. Ah ben oui. C'est sûr, hein, c'est pas, on ne fait pas pour faire beau, hein. Ça ne nous amuse pas. On est là-haut, ben, quand je dis qu'on est... Si, ça nous amuse. Si, on aime ça. On est quand même les maîtres du monde. Hein. Quand on est en pleine nuit, là, au sommet de Gudette, là, quand il commence à bien chirer et tout, on n'est pas nombreux. Hein. Et là, on est combien à pouvoir faire ça? On est autour de la table. Mangez-moi. Et quel goût? Ouais, la goût, ouais, ça fait un petit moment, ouais. C'est con à dire, mais c'est presque un truc militant, quoi, en fait. Ah ben, tout à fait. Tu fais du militantisme, hein. T'as pas la station. S'il n'y a pas la station, il ne reste que la messe du dimanche matin. Hein. Et encore. Et encore, pas tous, mais une grande partie. Ouais, une grande partie. Voilà, les gamins, nous, ils payent 5 euros la journée. On ne devra jamais payer dans aucune station 5 euros la journée, quoi. Les moins chers du monde, 3 euros la journée. J'ai des gens qui viennent me voir, je les ai connus, ils étaient gamins comme ça. Pareil, il y a 30 ans que je m'occupe de ça là-haut, ils étaient tout gamins. Nous, s'il n'y a pas la station l'hiver, bah, tu peux t'acheter une corde et aller te pendre, il n'y a que dalle à faire. Tu ne fais plus rien, le village est mort. Le village est mort s'il n'y a pas la station. Bah, regardez-le comme vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire? Ici, là-haut, si tu n'es pas agriculteur, si tu n'as pas 150 bêtes à l'étable, qu'est-ce que tu fais? Et voilà. En février, la neige est enfin tombée, en faible quantité. Mais c'est sympa, j'aime bien damer le fond. C'est plus varié que l'alpin. L'alpin, c'est monter, descendre, passer toujours sur les mêmes pistes. Sur le fond, j'adore, surtout la nuit. C'est l'espace qu'on appelle l'espace nordique des Monts d'Aubrac. Donc, toutes les portes d'entrée, Nasbinal, Saint-Ursis, Bramelou, Layol et Aubrac, ont des pistes qui permettent de relier l'ensemble du domaine. Qui nous plaisent, forcément on fait un effort maximum pour pouvoir y rester le plus longtemps possible et vivre et y travailler donc. Hein. Vivre et travailler au pays, c'est ce qu'on disait dans le temps, chez moi en Bretagne. Voilà, vous voyez, on la garde avec les filets, la neige, ça nous permet de la capter. On fabrique des grosses congères quoi. Après, on l'étale pour pouvoir la mettre derrière. Ah, si on n'avait pas de filet sur ces zones-là, c'est des pistes qu'on ne pourrait jamais ouvrir. Et c'est des pistes qu'on arrive à fermer par mauvais temps pour éviter que les skieurs se perdent. Parce que quand ça s'ouvre fort, les traces sont tout de suite bouchées et les gens ils ne voient plus la piste. Quoi. Un adulte et deux enfants de 13 ans. Et deux enfants. La station la moins chère du Cantal. Eh oui. Je connais pas les autres. Ah mais les autres, après, ben oui, il n'y en a plus beaucoup après. Ouais.
Ça, c'est mon métier. Je m'occupe du réseau d'eau, en priorité. Et c'est un réseau qui s'est étendu, puisque même s'il n'y a pas beaucoup d'habitants, sur la commune, il y a beaucoup de bêtes, beaucoup de vaches. Et ce nouveau réseau-là va alimenter à peu près pour un peu plus de 3000 bêtes. Et la station, c'est après? Ah oui. Ah oui, oui, la station passe après. Ce qui est normal. Si tu veux, là, toutes les fermes que tu vois par ici, là, celle-là, celle du bas, sont uniquement alimentées, jusqu'à présent, ont été alimentées uniquement par des sources. La commune a fait un nouveau réseau, une nouvelle adduction d'eau, et là, on est en train de le mettre en route, là. Ça te plaît d'avoir plusieurs métiers? C'est très, très bien. On fait tout, on est utile un peu partout. J'espère. Hop. Tac. Normalement, elles ont de l'eau. Je vérifie quand même. Oui, voilà, impeccable. Bon, comme c'est les essais, je ne mettrai pas le compteur aujourd'hui. J'attendrai le printemps. Normal. On ne sait jamais. Là, elles seront contentes, elles avaient plus d'eau, les bêtes avaient plus d'eau pour boire, elles sont sauvées, c'est bien. Maintenant, je referme et je vais préparer mes téléskis et demain, ils annoncent de la neige pour la nuit. Donc, hop, je change de tenue. Ça me permet d'aller voir ces dames là qui voient. Pas grand monde à l'hiver. Alors, si vous avez un souci, quoi que ce soit, oui. Vous savez où joindre. Oui, 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 il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord. Bon, m'écoutez, au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. L'Aïeul est la plus grosse station de l'Aubrac, avec une dizaine de téléskis appartenant à la commune. C'est aussi la seule à avoir quelques canons à neige. C'est ici que les hivernants des autres stations de l'Aubrac viennent skier en cas de manque de neige naturelle. Frédéric vient de la station des Jets où il était responsable des pistes avec 70 personnes sous sa responsabilité. Des objectifs à atteindre, la pression financière, les besoins de rentabilité étaient son quotidien. Il est venu ici, entre autres, pour rompre avec tout ça. Ici, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Il n'y a pas du tout d'objectif. Le but, c'est d'équilibrer le plus possible. Il n'y a pas du tout d'enjeu, tour opérateur, aller chercher des clients en fin fond du monde pour leur proposer de venir skier dans l'arc alpin, quoi. Déjà, on n'est pas dans l'arc alpin. C'est vrai que les enjeux ne sont pas les mêmes non plus. Chez nous, tout est payé. Quand on sort un peu d'argent, ben on le réinvestit dans l'outil de travail, mais ça s'arrête là, quoi. On ne va pas au-delà, on n'a pas d'emprunt sur le dos, on n'a rien, quoi. Donc, c'est vraiment une gestion en bon père de famille, quoi. On arrive dans une phase où les grosses stations captent la clientèle UP et puis les petites essayent aussi d'avoir cette clientèle-là. Ce n'est pas du tout leur rôle et elles feraient mieux de se concentrer sur de la clientèle de proximité avec des tarifs abordables, que chacun reste dans son rôle. Vive la pion ! Ce mode de gestion sage se retrouve dans les choix atypiques qui ont été faits concernant les investissements en remontée mécanique ces dernières années. Une vision qui tranche radicalement avec ce que l'on continue de voir dans bon nombre de stations de moyenne montagne. On avait un télésiège 4 places qui avait une vingtaine d'années. On l'a démonté, on l'a vendu pour remettre un téléski qu'on a racheté d'occasion. Alors certes, le choix n'était peut-être pas... venant d'extérieur, on se dit, mais ils s'en foutent, ils vendent un télésiège pour mettre un téléski. Mais un téléski, ça coûte que dalle à entretenir. Et puis de la pièce d'occasion, t'en trouves plein. Alors, est-ce qu'il vaut mieux un télésiège
pendant quelques années, après mettre la clé sous la porte, ou gérer au plus proche et perdurer. Je pense que là, le choix qui a été fait, c'est le bon, puisque on perdure, on existe, on est reconnu, les familles savent qu'ils peuvent compter sur nous, et puis les autres stations aussi comptent sur nous en cas de difficulté, un peu d'enneigement, quoi. Faites attention quand les perches arrivent, là, par contre. À la tête, ouais, parce que... À quelques kilomètres de l'Aïeul, nichée au milieu des hêtres, se trouve la troisième station de l'Aubrac, Bramenon. Le directeur, il fait tout aussi, ici. Voilà. Et donc, c'est pas mon style, mais c'est pas le style de la station non plus. Hein. C'est, nous, à Bramenon, on doit être capable de tout faire, quoi. Et bon, c'est, y en a qui font que donner les perches, mais après, on est complémentaires, quoi. On a le temps d'apprendre aux gens à prendre le téléski pour la première fois. On accompagne les gens sous le téléski, sous le petit. Tant qu'ils n'y arrivent pas, on les aide, on les encourage. T'as oublié un morceau. Ici, dans les années 90, on avait installé des canons à neige. Les subventions publiques avaient fait l'affaire lors des investissements. Mais lorsqu'il a fallu payer les coûts de fonctionnement, c'est devenu une toute autre histoire. Plus d'aide. Les dettes se sont accumulées, tout a été démonté depuis 10 ans. Une décision surprenante au moment où ces canons sont présentés comme la solution pour faire face au manque de neige dû au réchauffement climatique. C'est ton deuxième métier ou ton premier métier? Ça, c'est mon premier métier. Bramelot est venu après, pour deux raisons. La première, financière. Et la deuxième, c'est... ici, on est dans un tout petit hameau. Il n'y a pas grand monde autour. Et Bramelot me permet de voir du monde aussi en journée. On rencontre beaucoup de monde de divers horizons. Et c'est vrai que c'est vachement enrichissant, quoi. C'est intéressant pour ça, quoi. Caille. Eh, oh. C'est bon, là. Eh. Pas l'air commode, celle-là. Oui, mais c'est que le veau est là-bas et elle cherche, c'est pas... C'est quoi ces bêtes-là, en fait? C'est la race Aubrac. C'est la race d'ici, du plateau de l'Aubrac. Moi, c'est une race que j'aime et que, voilà, je m'efforce à sélectionner et à garder ici. Oui. C'est deux journées en une, ouais. Ça c'est clair, parce que j'attaque le matin à 5h30 et le soir, ben, je suis là jusqu'à 7h30, 8h. Ça dépend les jours, ça dépend comment ça se passe à Bramelot aussi. Non, mais après le soir, c'est quand même autre chose. C'est... Bramelot, on n'est que des doubles actifs. C'est un fonctionnement, moi je pense que s'il n'y avait pas ça, les stations n'existeraient pas sur l'Aubrac. Parce qu'on ne peut pas garantir la neige et on ne peut pas garantir aux gars qui vont venir bosser de dire bon mais là à partir du 1er décembre, en fin de mars, tu travailleras tous les jours. C'est pas possible. S'il y a de la neige, on tourne. S'il n'y a pas de neige, on ne tourne pas. On n'engage pas de frais. On fait vraiment le strict minimum. Tout ça pour diminuer les charges, sinon on ne s'en sortirait pas. Quoi. Parce que les canons à neige, oui, il faut aussi du froid, il faut de l'eau. Le canon à neige, il faut du froid, il faut de l'eau et il faut des sous. Et c'est vrai qu'une journée de production en canon à neige, ça coûte énormément. En sachant que nous, ici, en plus, s'il vient une journée du vent du midi, la production qu'on a produit dans la nuit, on la perd. C'est le vent du midi, on est en plein vent, ça nous fait tout perdre. Quoi. Ça continue tous les jours de se réchauffer, quoi. Et nous, on en est la preuve, quoi. Je veux dire, si, ça c'est clair. Si nous, on avait continué les canons à neige, si on avait continué comme on faisait, on était fermés. Et je pense que le fonctionnement que nous, on a actuellement sur la station de Bramelot, je pense que ça va se généraliser, peut-être pas dans les grands domaines, mais sur d'autres domaines de moyenne montagne, je pense que ça va venir aussi. Et c'est une autre solution pour résister et pour pouvoir continuer à tourner, quoi. Finalement,
Après avoir été moqué par bon nombre de stations de ski des autres massifs, est-ce que l'Aubrac ne serait pas devenu le laboratoire des stations de moyenne montagne de demain ? Les passionnés qui font vivre cette activité ici n'ont pas cette prétention. Modeste, on vous a dit.